les laits végétaux sont à la mode dans la plupart des pays du globe. On en trouve de plus en plus dans les rayons des supermarchés, donc des grandes surfaces. Ils ont le vent en poupe. Ce sont des boissons qui ont l'aspect laiteux et qui se consomment comme du lait. C'est-à-dire, vous pouvez les prendre au petit déjeuner, seul ou en association avec d'autres produits tels que les céréales. Vous pouvez utiliser ces laits végétaux pour cuisiner, etc. Un lait végétal est une boisson produite à partir de végétaux et qui est destinée dans la tête du consommateur à remplacer un lait animal. Il existe une grande variété de laits végétaux. Parmi les laits végétaux, on peut avoir les laits qui sont issus de noix ou d'oléagineux. C'est le cas du lait d'amande, du lait d'arachide, du lait de noisette, du lait de noix de cajou ou même du lait de tournesol. On a des laits qui sont issus de légumineuses ou de protéagineuses. C'est le cas du lait de soja qui est un des laits végétaux les plus consommés, les plus connus, les plus célèbres. Vous avez également le lait de souchet. On a parlé du lait de souchet sur cette chaîne quand on vous encourageait à cultiver le souchet. Vous avez également les laits de pois. Vous avez les laits végétaux issus des céréales. Vous aurez dans cette famille le lait de blé, le lait d'avoine, le lait de millet, le lait de riz. Le lait de riz qui est un lait très célèbre. Vous avez le lait d'épeautre, le lait de seigle, etc., etc. Vous avez d'autres laits issus de pseudo-céréales. C'est le cas du lait de quinoa. Le quinoa étant une céréale très intéressante sur le plan nutritif. Vous avez également le lait de sarrasin. Vous avez d'autres laits végétaux. Un des plus connus sur notre continent, c'est le lait de coco. Le lait de coco qui est un excellent lait végétal. Vous avez également le lait de sésame, le lait de chanvre, le lait d'horchata de choufa, dont nous avons également parlé sur cette chaîne. Il faut savoir que les laits végétaux présentent des aspects proches de ceux d'origine animale. Donc, notamment du point de vue visuel, vous avez le lait à la même texture, la même couleur blanche, le même aspect laiteux et dans une moindre mesure sur le plan gustatif. Mais il faut savoir que ces laits ont une composition nutritionnelle qui est variable. Déjà, qui n'est pas identique à celle du lait d'animal, mais entre eux, leur composition est variable. Donc, leur composition est variable d'un lait à l'autre et elle est différente de celle des laits animaux. Même si ces laits végétaux ont l'aspect et la texture du lait de mammifère, donc du lait animal, ce sont des boissons qui n'ont rien à voir avec donc le lait d'origine animale. En réalité, et ça il faut le savoir, le lait végétal, ce n'est pas du lait. Ce n'est pas du lait parce que le mot lait est issu du lactose, qui est le sucre du lait. Or, ce sont des boissons qui sont dépourvues de lactose. Les laits végétaux ne contiennent pas de lactose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis les années 2007, dans l'Union européenne, on a interdit l'appellation lait végétal. Donc, vous vous entendrez plus facilement dans ces pays-là parler de boissons végétales ou de jus végétal. Parce que l'appellation lait végétal est trompeuse. Ce ne sont pas des boissons laitières, en fait. Il serait donc plus exact et plus juste de parler de boissons végétales ou de jus végétal. Il faut savoir que ces laits végétaux sont élaborés à partir de l'eau et de mélange donc de céréales ou d'oléagineux ou de légumineuses. Et à cela, à ces eaux et à ces céréales oléagineuses ou légumineuses, les industriels rajoutent soit un peu de sucre, soit un peu d'épaississant, soit un peu d'huile végétale. Et on peut également enrichir en d'autres vitamines, minéraux, dont le calcium. Donc, la boisson végétale a donc l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend, de ne pas renfermer de lactose et d'être un peu plus pauvre en lipides que le lait classique. Il faut savoir que ces laits végétaux sont pauvres en calcium. Ce n'est pas le cas du lait animal. Le lait animal, sa force, effectivement, c'est qu'il contient une dose significative de calcium. Et les laits végétaux contiennent très peu ou pas même d'ailleurs de vitamine D et B12, contrairement aux laits animaux.
Mais en les fabriquant, ils peuvent être enrichis donc en calcium d'origine minérale ou végétale afin de leur donner un taux proche de celui du lait de vache. Et vous pouvez également les enrichir en vitamine D et B12. Et ils contiennent également très peu de protéines. Les laits végétaux sont source de bonnes graisses. Parce que lorsque votre lait végétal est issu de fruits secs, comme les amandes, la noisette, votre boisson végétale va renfermer de bonnes graisses, dont les graisses mono- et polyinsaturées, qui sont très bénéfiques pour le système cardiovasculaire. De même, ce sont des laits qui sont sans cholestérol. Il faut savoir que le lait de vache, qui est le lait classique, renferme du cholestérol. Donc la quantité varie d'ailleurs suivant l'écrémage du lait. Vous allez avoir le lait entier, le lait écrémé, le lait demi-écrémé, tandis que les boissons végétales ne contiennent pas de cholestérol. En termes de vitamines et de minéraux, il faut savoir que les boissons d'origine végétale offrent une richesse en vitamines et minéraux selon qu'elles sont issues de céréales ou d'oléagineux ou de fruits secs. Et enfin, sachez-le, ce sont des laits dépourvus de gluten. La plupart des boissons végétales, que ce soit le soja, l'amande, le quinoa, etc., sont dépourvues de gluten, sont exemptes de gluten. Donc les personnes qui sont intolérantes ou sensibles au gluten peuvent les consommer en toute tranquillité. Comme on peut le constater, ce sont des laits qui peuvent être intéressants pour une certaine cible, dont ces personnes allergiques ou intolérantes au lait de vache ou alors pour ceux qui fuient le cholestérol, qui ont des soucis de cholestérol. Il faut savoir que chaque lait végétal a des propriétés ou des qualités différentes. Chacun donc a ses points forts ou alors ses points faibles sur le plan nutritionnel. Si on veut donner quelques exemples, prenons le cas par exemple du lait de soja. Le lait de soja, c'est le lait le plus neutre, c'est le plus connu et c'est un lait qui est riche, contrairement aux autres. C'est un des laits qui est riche en calcium et en protéines. Vous savez, le soja est très riche en protéines. C'est d'ailleurs un des laits végétaux qui est le plus ancien. Il a un goût neutre qui permet de facilement l'incorporer dans les préparations culinaires. Le soja, comme on l'a dit, est riche en protéines végétales. Il est également riche en fibres et en acides gras polyinsaturés. Et ces acides gras polyinsaturés favorisent la diminution du cholestérol. Donc, les protéines de soja auront une action protectrice sur le capital osseux. Comme autre exemple de lait végétal, on peut parler du lait d'amande également. Le lait d'amande, c'est un lait qui est de plus digeste. Il est nutritif et c'est un bon lait qui est antiseptique pour les intestins. Le lait d'amande va contenir les vitamines A, B et E. Il va contenir du calcium, du fer, du magnésium en quantité significative ainsi que des fibres. La saveur du lait d'amande est douce et c'est un lait très digeste. Le lait d'avoine est un lait également intéressant. C'est un lait énergisant parce que c'est une boisson qui est issue de la céréale d'avoine. Elle a l'avantage d'être riche en fibres et en glucides parce que les laits issus des céréales sont riches en glucides. Et le lait d'avoine est notamment riche en glucides complexes. Donc, c'est un lait idéal au petit déjeuner. C'est un bon carburant pour le cerveau et il a l'avantage de ne pas faire grimper rapidement la glycémie. Le lait de riz est un très bon lait. C'est d'ailleurs un des laits qui est préféré des enfants parce que c'est un lait de céréales qui est très doux et également très digeste. Il apporte du silicium qui est un constituant essentiel des os et des cartilages. Il permet la bonne fixation du calcium et du magnésium. Le lait de riz a un goût naturellement sucré. C'est d'ailleurs pourquoi les enfants l'aiment beaucoup. Mais malgré tout, certains fabricants pourront rajouter du sucre. Il faut savoir que la boisson végétale de riz, comme toute boisson issue de céréales, renferme des glucides et elle permet d'avoir donc de l'énergie. Parlons du lait de coco. Le lait de coco, lui, est un lait qui est savoureux. C'est un lait gourmand. On peut l'intégrer dans la préparation des plats sucrés, donc tout ce qui est gâteaux, smoothies, la préparation de nos plats dits exotiques. On peut faire du riz avec la noix de coco, des lentilles, on a même des sauces avec la noix de coco. Donc, la boisson végétale de coco
C'est une boisson très parfumée. Elle est riche en lipides. Elle renferme de très bonnes graisses qui sont intéressantes pour l'organisme et la santé cardiovasculaire. C'est un lait qui a une forte teneur en fibres et qui contribue à réguler le transit intestinal et aide au contrôle du poids. C'est une boisson isotonique naturelle qui participe également à la réhydratation des organismes. Le lait de noisette est un lait qui se caractérise par sa richesse en fer, en calcium et en magnésium. Il contient également des acides gras monoinsaturés. C'est un lait qui est vraiment savoureux, généreux, goûteux et également très digeste. Comme des autres boissons végétales, il est riche en vitamines et minéraux, également en acides gras monoinsaturés qui protègent les systèmes nerveux et cardiovasculaires. On a parlé sur cette chaîne du souchet. Les souchets et le lait de souchet donc est un lait qui est source d'une variété de vitamines, de minéraux et d'autres bons composés, notamment la vitamine E, la vitamine C, le fer, le phosphore, magnésium, zinc et potassium. Ce sont des éléments qui agissent ensemble pour renforcer notre système immunitaire ainsi que notre santé corporelle en général. Donc, comme on le voit, il y a une variété de lait avec des variétés de propriétés. Mais il faut savoir que de tous ces laits, le lait de soja est celui qui peut être utilisé convenablement à la place du lait de vache. Et ceci dans tous les plats. C'est d'ailleurs le seul lait à pouvoir être utilisé pour faire le yaourt. Et il faut savoir qu'une des grandes limites de ces boissons végétales, c'est quand même leur faiblesse en calcium. C'est à contrario l'un des grands intérêts du lait de vache, du lait des mammifères. Donc, leur richesse en calcium. Et parce que ce calcium contribue à la solidité des os et de la dentition. Ça fait que si vous vous lancez dans la production des laits végétaux, vous devez penser en amont. Si votre cible, c'est ceux qui doivent consommer du calcium, vous devez donc penser à enrichir votre lait avec du calcium lors de la production. Il faut également avoir en tête que une fois mixé et mélangé avec de l'eau, le soja, l'avoine, les riz, etc., tous ces céréales-là sont fades. C'est la raison pour laquelle les industriels vont rajouter des arômes de synthèse ou alors des arômes tout simplement. Donc vous allez avoir ces laits-là avec de la vanille, du chocolat, des fraises, etc. Les industriels rajoutent également encore une petite supplémentation en sucre. Donc il faut également l'avoir en tête. Vous devez travailler au goût de vos laits pour qu'ils puissent accrocher votre clientèle cible. Il faut savoir que ces jus végétaux ou ces boissons végétales ne contiennent pas ou presque pas de protéines, sauf le lait de soja. Ce qui fait donc que pour les personnes qui suivent des régimes où les protéines sont prescrites, donc qui ne mangent ni viande, ni poisson, ni œufs, donc des personnes véganes ou végétaliennes, ces boissons sont idéales. Ayez en tête également que afin d'obtenir donc un lait avec une texture adéquate, les industriels rajoutent donc des épaississants et nous vous recommandons donc d'opter pour des épaississants naturels et sans danger comme la gomme de guar qui donne plus de volume à votre préparation. Évitez les épaississants chimiques tels que le glutamate parce que ce sont des produits, des additifs qui peuvent provoquer des troubles dans l'organisme, notamment des troubles cérébraux. Fabriquer un lait végétal est très simple. La fabrication se fait en trois temps. Dans un premier temps, vous devez procéder au broyage de vos céréales oléagineuses ou légumineuses. Vous allez, dans certains cas, devoir les tremper au préalable. Ensuite, vous allez ajouter de l'eau au mélange et enfin filtrer. C'est une fabrication qui est simple. Donc, vous broyez votre matière première, qui peut être une céréale ou un oléagineux, etc. Vous placez la farine obtenue dans une étamine ou dans un contenant et vous versez de l'eau et vous filtrez la préparation. Il faut savoir que ce sont des boissons qui offrent une alternative aux personnes qui sont intolérantes ou allergiques au lait animal, notamment au lait de vache par exemple. Donc, ou alors des personnes qui suivent un régime végétalien ou végétarien. Les véganes sont donc une bonne cible. Toutes les personnes intolérantes au lactose et à la caséine sont des cibles indiquées. Tous les consommateurs
qui sont soucieux d'une alimentation saine sont également une cible que vous devez viser, les sportifs également. Si vous vous lancez dans la production des laits végétaux, il ne faut pas manquer de préciser que ces laits ne sont pas indiqués pour les nourrissons ou pour les enfants en bas âge. Ça, vraiment, ce ne sera pas votre cible. En effet, les nourrissons et les enfants jusqu'à 5 ans ont besoin du lait infantile ou maternel. Les laits végétaux ne sont pas indiqués parce que l'analyse de la composition nutritionnelle de ces laits, de ces produits, de ces boissons montre qu'ils ne sont pas adaptés aux besoins des nourrissons. On l'a vu, les laits végétaux n'ont pas, dans la plupart du temps, les propriétés du lait animal et ne peuvent donc pas s'y substituer. Seuls les laits infantiles d'origine animale ou végétale couvrent l'ensemble des besoins du nourrisson. Et il faut l'avoir en tête, il y a un nourrisson qui est mort de malnutrition en Belgique dans les années 2014 après avoir été nourri uniquement avec les laits végétaux classiques au lieu de laits végétaux infantiles. Ayez également en tête que ces laits ne sont pas non plus indiqués pour les femmes enceintes et les personnes âgées qui ont des besoins en calcium et en protéines significatifs. Donc, eux aussi ne seront pas votre cible. Il y a un nouveau lait végétal qui est assez atypique, qui est venu s'ajouter à la liste des laits végétaux. C'est le lait de pomme de terre. C'est un nouveau lait. Il a été créé par une entreprise suédoise. Son goût neutre, sa texture crémeuse ont déjà séduit énormément de consommateurs dans les pays comme le Canada, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni ou la Suède. Et nous qui avons d'autres tubercules, le manioc, le taro, la patate douce, etc., c'est peut-être le moment de réfléchir à la création de ces différents laits. Pourquoi pas le lait de manioc, le lait d'igname, le lait de taro, etc., etc. L'innovation doit être également au cœur de nos activités. Nous vous encourageons donc à vous intéresser à la production des laits végétaux. Merci de liker, partager, commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Partagez-la si vous êtes convaincu qu'elle peut être utile à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.